En tant qu'artiste et ayant la chance de parcourir le monde, pour moi ce qui est important c'est de ne pas se mettre de barrières, d'aller à la rencontre de cultures différentes pour toujours revenir chez soi chargé d'énergie positive et de continuer à créer. Je m'appelle Tim's Day, je suis street artist. Paris, c'est mon point d'ancrage. C'est ici que j'ai commencé à peindre et c'est ici que je reviens toujours me retrouver entre deux voyages. C'est une ville fascinante, vibrante, intense et riche. C'est la ville aux mille musées, aux milieux de sorties. Elle a une énergie vraiment spéciale qui vous entraîne irrésistiblement. Mon ambition en tant qu'artiste, c'est d'apporter de la couleur à travers mes univers et ce, au plus grand nombre. Je conçois la peinture comme un outil universel et très puissant pour créer des liens entre humains et réenchanter notre environnement. Mon travail se partage entre mon atelier et l'espace public. L'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Là où l'atelier est un espace plus de recherche, de réflexion, de perfectionnement de mes techniques, je trouve plus de spontanéité en extérieur quand je peins des murs. Sauf que le vélo est le meilleur moyen de la sillonner et d'en profiter au quotidien. Et depuis 2 ans, Paris se métamorphose et fait de plus en plus de place au vélo. Les pistes cyclables structurent la ville et permettent de la traverser de long en large, de préférence le nez au vent. Ça procure une vraie sensation de liberté. Moi, je me lasse jamais de la traverser en l'observant et de profiter de tous ces édifices qui sont chargés de culture et d'histoire. Ma ville idéale, elle, se vivrait uniquement à pied et à vélo. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à créer une œuvre qui est une fresque au sol qui représente une piste cyclable qui permet aux enfants d'apprendre à faire du vélo en situation réelle de circulation. La relation à l'environnement urbain et à la ville est très marquée dans mon travail. Et c'est un morceau de mon univers et donc de la relation à la ville de Paris que j'ai voulu mettre sur le cadre. J'essaye au fur et à mesure du temps de toujours rester en mouvement aussi, que ma peinture évolue en permanence. Et c'est en ça que je continue à m'amuser, en la faisant vivre, en la faisant bouger. Et je dirais que c'est l'énergie positive et l'envie de partage et la dimension inclusive de mon travail qui sont les véritables fils rouges. La couleur est très centrale dans mon travail. Et j'ai voulu l'utiliser ici pour faire un casque qui me ressemble.